Je suis ravi au nom de toute l'équipe de vous présenter aujourd'hui Immersia et puis aussi d'évoquer des questionnements et problématiques qu'on se pose en matière de cartographie, puisque c'est une part de notre cœur de métier. Donc, nous sommes basés à Fort-Calquier, à 1 heure d'Aix environ, et nous nous déployons cette année sur un premier territoire, une communauté de communes, voilà, donc composée de 21 villages. Et petites villes, voilà, vraiment dans la ruralité. Et voilà, donc on sort d'ici la fin de l'année. Alors, Immersia, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une expérience inédite, on espère en tout cas, d'immersion au cœur des territoires. Alors, c'est des podcasts originaux qui vous racontent les territoires et les lieux d'intérêt. C'est l'agenda des événements locaux autour de vous ou là où vous prévoyez d'aller. Ce sont les randonnées, circuits vélo et activités qui sont proposées. C'est autour de vous les artisans et producteurs locaux, géolocalisés. Je vous montrerai tout à l'heure le prototype pour que ce soit plus concret. Et puis c'est les restaurants, parce qu'il s'agit aussi de manger, de se restaurer un moment. Alors ce qui est intéressant, en tout cas selon nous, c'est que Immersia s'adresse tant aux visiteurs, touristes et voyageurs, qu'aux locaux. Pour les touristes et visiteurs, c'est des contenus de découverte donc du territoire, qui sont racontés, réalisés de manière ludique et dynamique. C'est ben, toute l'offre locale. Qu'est-ce qu'il y a autour, les marchés, etc., etc. Et puis, c'est l'offre sportive et les animations, les randonnées, vélos. Ben, pour les locaux, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais samedi soir? Quelles sont les conférences autour de moi dans un rayon de 20 km? Donc, c'est l'accès à toute l'information événementielle et culturelle. C'est redécouvrir les artisans producteurs autour de moi. C'est diffuser les initiatives locales. J'organise une brocante dimanche matin où je veux relayer le marché de Fort-Calquier du jeudi après-midi. Tout le monde connaît celui du lundi matin qui est référencé sur Rapidev, mais pas celui du jeudi après-midi auquel vont seulement les locaux. Et donc, on a trouvé que c'était intéressant pour le local de relayer, de diffuser ses propres événements. Puis, c'est une manière de redécouvrir aussi le patrimoine. Juste autour de moi, c'est toute cette dynamique autour du tourisme de proximité. Alors, parmi les plus immersables, et donc ce sont ces contenus inédits, on va y revenir. C'est un format web app pour une instantanéité d'accès à l'information. Et puis, c'est un back-office qui permet de gérer tout ça, de gérer donc la data, ces contenus originaux et d'intégrer aussi des contenus tiers d'autres podcasteurs ou éditeurs médias notamment. Alors, donc, comme je le disais, donc, nous réalisons donc, des podcasts, des contenus personnalisés, podcasts qui peuvent être uniquement audio ou agrémentés d'images d'archives qui enrichissent en fait le contenu audio. Donc, avec tout un travail de collecte, d'enquête, d'éditorialisation, je vais présenter l'équipe après, de vocalisation, de traduction multimédia et d'habillage sonore. Et puis, l'intégration également de contenus tiers. Voilà, le cœur d'Immersia, c'est vraiment lier le visiteur au local. On a tendance peut-être à segmenter l'aspect touristique visiteur et puis l'animation locale, le développement économique de l'autre. Et on s'est dit que peut-être qu'il y avait un lien à faire. Donc, on fait bien sûr remonter nos infos via Apidae, Data Tourisme, propre contenu, mais on peut également, via le back-office d'Immersia, faire remonter les informations comme je viens de vous le dire. Donc, après, il s'agit de se faire connaître. Donc, outre l'animation sur les réseaux sociaux, donc on a une politique de marqueurs physiques auprès des socioprofessionnels qui nous permettent effectivement de nous montrer, de montrer Immersia et de rentrer dans une utilisation durable d'un outil, puisqu'on connaît les problématiques des web, des applications qui sont lancées en grand pompe et puis finalement l'utilisateur ne prend pas l'habitude de l'utiliser. Donc, une politique vraiment de marqueurs physiques sur les territoires. Ben, Immersia, c'est d'abord une équipe qui est top en termes bon, des références nationales. Sarah, en termes du UX design, Fred et son équipe en R&D et leur 15 ans d'expérience chez Thales. Caroline, qui est une des voix, une des anciennes voix de Radio France. Et je mets Elodie, Ariette et j'oublie quelqu'un pour la partie réalisation. Des podcasts que nous faisons actuellement sur la Comcom de Man. Alors, je vais arrêter le partage. Et puis, voilà, je pense que, hop, vous partagez quelques réflexions et également
notre outil, notre prototype, pour que ce soit plus concret. Voilà. Alors, voilà le prototype donc d'Immersia. Donc déjà, effectivement, la base d'Immersia, ce sont les territoires. Et donc, qui dit territoire, dit géolocalisation, dit lieu. Et donc, qui dit géoloc, dit cartographie. Malgré cela, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas mal de découvrir. Alors, qui dit carto, en fait, le problème, c'est qu'on veut un petit peu lâcher l'écran. On veut que l'utilisateur lâche l'écran pour finalement s'immerger dans le territoire et l'écouter et le visualiser de ses propres yeux. D'où la dimension podcast, voilà, qu'on a développée. Donc, ce n'est pas lié directement à la carto pour l'utilisateur, mais ça nous semble un point d'entrée intéressant. Ça permet à l'utilisateur également de découvrir, d'écouter le territoire dans sa cuisine, sur son canapé, dans sa voiture. Alors, la carto peut s'avérer indispensable pour l'utilisateur, notamment quand j'arrive, par exemple, dans un village et que j'ai un itinéraire qui m'est conseillé. Donc là, oui, donc j'ai une visualisation cartographique. Et alors, pour tout vous dire, l'idée c'est de partager, on avait développé un module de guidage intégré, multitransport, qu'on a retiré. C'est-à-dire que l'utilisateur voit un parcours suggéré et se géolocalise par rapport à lui, mais peut évoluer comme il veut, à droite, à gauche, etc. Donc c'est une dimension, cette carto, qu'on retrouve également dans la rubrique s'évader, par exemple. Je veux randonner, ou les vélos. Hop, donc les gorges de Trévence, hein, on est sur du viso-rando, hein, pas le site. Donc j'ai un circuit conseillé, et je me géolocalise, et voilà, et je fais ce que je veux. L'idée, c'est quand même de laisser la liberté à l'utilisateur d'évoluer, de déambuler comme il souhaite sur le territoire. Tac, tac, tac. Alors, s'agissant de la rubrique événements, alors oui, on peut voir en fin d'écran, on peut bien sûr se rendre au départ et télécharger le parcours à GPX, anticiper d'éventuelles questions. Pour ce qui est de sortir, donc on a priorisé vraiment l'approche par la thématique et par la date. Voilà, avec un calendrier. Et effectivement, si je suis intéressé par l'expo photographique Appel du froid, voilà, me permettant de la visualiser sur la carto, de voir là où je suis, d'ajouter à mon calendrier. Et pour manger et savoir-faire, c'est l'approche Google, hein, vous tapez Pizzeria Forcalquier, donc c'est la géologue qui apparaît en premier, c'est la carte. Donc où là, effectivement, on est dans le vraiment autour de moi. Je peux bien sûr procéder à des filtres, puis accéder à l'information donnée, et je peux m'y rendre. Et là, je vais sur Google Waze ou Google Maps, enfin, sur l'appli qui est installée sur mon téléphone. Voilà. Et savoir-faire, oui, bon, c'est un petit peu la même chose sur le principe. Donc ça, ce sont les artisans, producteurs, donc il y a tout un système de filtres, les producteurs locaux, la gastronomie, etc., qui me permettent là également de visualiser en fonction de mes filtres. Et ben, Bobol Céramique, en l'occurrence, qui est le super céramiste qui est à Forcalquier. Donc voilà pour l'essentiel, je ne vais pas être trop long, hein, c'est pas grave, si je fais moins de 10 minutes. En tout cas, pour nous, la carto, alors en plus vous pouvez le voir derrière moi, je vais peut-être finir là-dessus à titre personnel, depuis 25 ans que je suis moniteur de voile habitable au Glénan et que en fait j'enseigne la lecture de cartes et l'exploitation cartographique, et notamment en fait la liaison entre la carte et le territoire, la liaison carte-paysage. Et donc voilà, que je retrouve aujourd'hui dans l'immersive sur lequel on travaille et qui consiste à trouver le savant dosage entre l'information cartographiée, territorialisée, géolocalisée et l'expérience de l'utilisateur qui voit en 3D. Bon, je reprends une remarque de tout à l'heure, effectivement, et qui n'a pas besoin d'avoir forcément accès à toute l'info cartographique, mais à la purifier, à aller à l'essentiel. Intégrer ces aspects audio, à intégrer ces tendances consistant à vouloir lâcher l'écran pour regarder autour de moi et en même temps utiliser la carto quand elle est nécessaire. Et voilà.
Donc, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir d'y répondre. Hop. Alors, il y avait une question de Mathieu. Tout n'est que prototype, je ne trouve pas l'appli sur le store. Oui, alors Immersia sort d'ici la fin de l'année. Et donc, c'est une application web. Donc, ce n'est pas une application native, ce n'est pas une application qu'on a téléchargée, ce qui permet au passage une instantanéité d'accès à l'information. Google estime le temps d'attente, de patience de l'utilisateur de 3 secondes en 2020 pour télécharger, installer, lancer une appli, il faut 3 minutes. Voilà. Donc, nous, via nos QR codes, on accède directement à cette application qui est web, donc en fait qu'on n'a pas à télécharger. Et elle n'existe pas encore, donc vous pouvez, voilà, elle existera à partir du mois de novembre. Je ne vois pas les questions. Hop, combien Il de n'y questions? a pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que vous avez des questions Ouais, à poser par rapport à Inertia? non, le compte Instagram n'existe pas pour l'instant. Voilà, on est au début de, on est en phase de lancement, comme je vous le disais. On a bloqué bien sûr un compte. Il y a une question de Fanny. Est-ce que vous pouvez développer le côté podcast? Oui, on s'est rendu compte que ce qui manquait dans la data, c'est une approche ludique. Voilà, tout le monde se met à écouter. Vous savez que les podcasts sont en vogue. Et donc, voilà, on a considéré que c'était essentiel, au-delà de l'aspect outil, de l'aspect contenant, si j'ose dire, de mettre aussi du contenu. Donc, on propose, c'est pour ça qu'on a une entreprise numérique, informatique, mais avec un côté média. Et prestations de réalisation de podcasts. Donc, il y a tout ce travail. Chaque territoire est unique. Et puis, lire de la data sur un lieu d'intérêt ou sur un territoire comme ça, parfois, ce n'est pas forcément très, très sexy. Et ça ne retient pas forcément l'attention de l'utilisateur. Donc, on a décidé de les raconter, les territoires. Et donc, comme chaque territoire est spécifique et unique, donc on a décidé effectivement de se pencher sur. De les réaliser, c'est-à-dire de faire ce travail de collecte, de recherche, d'interview, de vocalisation, d'écriture qui soit propre à chaque territoire. Je ne sais pas si j'ai répondu directement à votre.